Oh, mes amis, la chenille qui fait des trous par Eric Carle. Tout le monde connaît cette petite histoire. We all know this story. Oh, j'aime beaucoup les couleurs de Eric Carle. Beaucoup, beaucoup. La chenille qui fait des trous. Pour ma sœur Krista. For my sister. Dans la lumière de la lune, et un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y a fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Après jeudi, c'est vendredi. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y a fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. Deux semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un super papillon. OK, mes amis, we have to make a correction in this book. Parce que butterflies don't turn into cocoons. They turn into chrysalids. So, chrysalide, pas un cocon. Okay? Cocoons are for moths, not for butterflies. Okay? Et maintenant, une superbe papillon. Regarde les couleurs. Ah, ta 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 ta. Et c'est tout. Ah, j'aime beaucoup ce petit livret. La chenille qui fait des trous.